Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver après un petit moment, un bon temps où on n'a pas pu produire nos émissions à cause justement d'autres devoirs qui nous appellent ailleurs et que nous ne cessons vraiment de regretter ce temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu parce que nous préparons toujours ce que nous disons, le combat pour cette nation, nous l'éditons aussi dans d'autres angles et cela nous éloigne petit à petit un peu avec vous. Mais soyez rassurés que le combat que nous avons choisi pour notre pays, nous continuerons à le faire. C'était justement à cause des petites préoccupations qui ont fait à ce que nous puissions être un peu à l'écart pendant une semaine, ou je crois que c'est deux semaines maintenant qu'on n'a pas produit. Je pense que ça arrive, ce temps-là arrive peut-être à la fin, parce que nous allons reprendre nos émissions petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes quand ? Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, où nous produisons cette émission ici à Johannesburg. Cette émission, nous allons réagir sur une petite vidéo qui a déjà été faite, vous aviez suivi ça sur les réseaux. Ce n'est pas du nouveau, c'est l'interview que Macron avait donnée, c'était un point de presse où Macron parlait de quelque chose à notre président. Et là, ceux qui me suivent sur les réseaux peuvent se rappeler qu'on en avait encore parlé, on avait beaucoup dit, mais aujourd'hui nous allons revenir avec ça dans une autre optique où l'actualité nous oblige d'en parler. Et nous allons parler de quoi ? Nous allons parler justement du changement de la Constitution, nous allons parler du dialogue. Ça, ce sont les deux sujets qui dominent les réseaux aujourd'hui et la préoccupation des Congolais. D'autre part, le président de la République a rejeté le dialogue qu'est proposé à Fayulu. Encore une fois de plus, nous allons disséquer pourquoi est-ce que ce refus-là et que moi, ce que moi je pense, parce que c'était une pluie de questions, vous aviez inondé mes emails, vous m'aviez appelé pour me poser la question. Revenez un peu sur ce que vous aviez déjà dit à propos de ce dialogue et comment vous pouvez continuer à renforcer votre suggestion sur comment ce dialogue-là pourra se faire et comment est-ce que nous pouvons aller au changement de la Constitution. Moi, je ne parle pas ici des réformes de la Constitution. Moi, je parle du changement de la Constitution. Et cela nous amène à quoi je vous annonce dans cette émission ici, quelles sont les démarches que nous pensons qui peuvent être faites pour que ces deux sujets-là soient des sujets qui peuvent sauver notre pays de cette déboire dans lequel nous nous retrouvons. Alors, pour ça, mes chers amis, comme toujours, dans Réflexion, nous ne vous lançons pas sans être informés de ce qui se passe aujourd'hui sur le net. Et là, nous avions choisi à peu près 4-5 journaux. Donc, nous allons vous lire les grands sujets qui paraissent sur le grand journal qui paraît sur Internet. Et puis, nous revenons pour discuter, pour vous donner notre réflexion sur le dialogue et le changement de la Constitution. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Sécurité, Conseil des droits de l'homme de l'ONU, après son élection, la RDC interpellée. Sud Kivu, l'ISTEM Bukavu au bord de l'implosion. Sud Kivu toujours, grève des enseignants. L'appel des gestionnaires des écoles va-t-il être respecté? Ça, c'est à lire dans election-net.com. On va sur actualité.cd. Plus de 47 000 personnes visées par la vaccination contre Impox au sud de Kivu. Et puis, Maïndombe, le gouvernement provincial publie une femme nommée ministre.
Et enfin, Matadi, le maire de la ville a comparu comme renseignant au procès du policier qui a ouvert le feu sur les élèves qui réclamaient la fin de la grève des enseignants. On va sur Congo profond. Judith Simunya à la diaspora d'Allemagne. Le président Félix Tshisekedi a déjà facilité les retours au pays. Construction des racades, Alexis Guissard suit de près les progrès à Kinshasa. L'insécurité à la peau dure à Kasumbalesa. Plusieurs maisons de l'avenue, quatre coins victimes des attaques de bandits armés dans la nuit de ce jeudi. Finalement, 7 sur 7, RDC. La RDC élue membre de droits de l'homme. Et puis, Bawele, des rebelles centrafricains de la Seleka attaquent des localités d'Ango. Et puis, RDC en vol appelle toutes les nations à se désolidariser de ceux qui tenteraient de manipuler les Congolais pour organiser un référendum constitutionnel. Enfin, révision de la Constitution, Kabuya affirme que beaucoup de grands hommes politiques et des sociétés civiles soutiennent la démarche. On termine par Radio Okapi, Kwilu, la société civile dénonce des tracasseries militaires sur la RN-17. Goma, compromis trouvé entre le gouvernement et les familles pour l'inhumation des victimes. Et Kinshasa, libération de M. l'abbé Baala. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc l'actualité est justement prédominée par aussi l'arrestation de notre confrère, de notre ami Patrick Lokala. Ça se passe à Kinshasa. Ici à Johannesburg, les gens de l'UDPS aussi appellent à une manifestation devant l'ambassade ce vendredi. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc il y a des choses qui vont se passer à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Le problème, c'est quoi? Problématique de passeport et la suspension de visas qui sont émis en Afrique du Sud. On a constaté qu'il y a du désordre à l'ambassade. Ce n'est pas à moi de le dire, mais j'ai relayé ici cette information-là et je ne veux même pas entrer dans cette histoire-là parce que notre pays est dans le dérive. Ce n'est pas simplement ici à l'ambassade, mais ce qui se passe à l'ambassade reflète et aussi le climat, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, d'abord, je voudrais remercier tout le monde, surtout nos amis de Kalemi. Ils ne cessent de m'appeler. Il y a encore aussi quelqu'un qui est à Bounia et qui a suivi nos émissions et qui est en train de me féliciter et qui proposerait à ce que nous puissions améliorer certaines choses. Moi, je suis tout à fait d'accord et je suis vraiment ouvert à toute suggestion qui pourra améliorer surtout la qualité et ce que nous parlons ici. Il se reconnaîtra, il a demandé à ce qu'on puisse taire son nom, mais qu'on annonce que quand même il y a des gens qui sont en train de nous suivre et de cœur avec nous. Je vais aussi vous demander, avant que nous puissions commencer, pour ceux qui me suivent pour la première fois, peut-être que je ne donne toujours pas mon nom c'est Germain Kaindo. Vous pouvez lire tous les détails de notre émission dans la rubrique, au bas de ce sujet, là où on trouve les informations. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Si vous aimez cette émission, je vous prie vraiment, continuez à vous abonner, continuez à partager nos émissions. Si cela vous plaît, vous n'êtes pas obligé, mais je vous demande, si cela vous plaît, laissez un petit geste que vous avez aimé. Cela nous aidera à ce que nous puissions être visibles et prévenir les gens qui ne nous aiment pas de ne pas nous empêcher de travailler. C'est parmi aussi les causes qui nous ont éloignés pendant quelques jours aussi du net parce qu'on nous accusait de certaines choses dont moi je ne connais pas. Et j'ai reçu le mail de YouTube qui me demandait des explications. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on les contenu? Moi, je me suis dit, ça, ce sont les gens qui sont contre le sujet que nous développons ici. Donc,
Pour ceux qui veulent se rendre à l'ambassade demain vendredi, c'est à leur propre responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai appelé cette manifestation-là, mais ça se passe ici en Afrique du Sud. Je suis obligé d'en parler. Bandeko, ton bandana nous na likambo ya dialogue. Et moi, je voudrais ici me concentrer d'abord sur l'attitude même du président de la République. Depuis un certain temps, nous constatons que le président de la République est devenu comme quelqu'un qui se rassure que tout est, everything is okay, comme on dit en anglais, toutes les choses marchent bien. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il rencontré Martin Fayulu quelque part aux USA ou ont-ils eu des contacts même téléphoniques? Je n'en sais absolument rien. Et là, je peux vous dire, je n'en sais absolument rien pour ceux qui continuent à me poser la question que je peux connaître quelque chose. Moi, je n'en connais absolument rien. Mais ce que nous analysons, les attitudes des uns et des autres. Vous aviez vu, beaucoup de gens ont vilipendé Martin Fayulu disant qu'il cherchait du travail et qu'il voulait assez que ce dialogue-là puisse être là. Moi, j'ai toujours dit, il faudrait que nous puissions prendre nos propres responsabilités. Ça, c'est... Quand nous regardons ce que Martin Fayulu fait, nous comprenons que nous allons voir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas stable dans ce qu'il est en train de faire. Tantôt il va aller aux élections, tantôt c'est là, tantôt c'est... Il propose des choses que moi je pense qu'ils ne sont pas réfléchis. Pourquoi? Parce que est-il populaire? Oui, Fayulu est populaire en République démocratique du Congo. C'est une voix à considérer. Mais l'attitude de Fayulu, il n'y a pas une certaine constance dans ce qu'il est en train de faire. Dans sa lutte, bien sûr, nous ne trouvons pas une certaine constance. Ça, ce sont mes faits que moi j'analyse. De l'autre côté, si nous prenons le président de la République, je ne sais pas. Peut-être que les gens qui sont tout autour de lui sont en train de très mal conseiller au président de la République. C'est pour cela que vous allez voir. Il affiche vous allez le voir qu'il est rassurant dans tout ce qu'il fait, malgré ce qu'il traverse notre pays. Malgré ce que traverse notre pays, le président est rassurant. Il dit que non, il n'y a pas de crise. Et là, nous retrouvons encore ce que Kabila était. Ce que Kabila était lorsque on avait combattu Kabila dans les années 2017-2018. 2014, lorsqu'on on approchait à la date des élections de son deuxième mandature. Mais nous avions vu qu'il parlait jusqu'à ce qu'à un certain moment, Kabila avouait qu'il y avait un problème et qu'il fallait appeler à un gouvernement d'union nationale. C'est pour cela qu'il y a eu ce flottement-là de 2 ans. C'est pour cela qu'il y a eu ce flottement de 2 ans. Parce qu'à la fin, Kabila a reconnu effectivement qu'on devrait avoir un dialogue. On devrait causer entre nous, Congolais. Parce que ça n'allait pas. La pression était devenue trop grande. Maintenant, moi, je pense que nous retrouvons la même pression avec le président de la République actuelle. Félix Tshisekedi se retrouve dans la même botte. Félix Tshisekedi se croit qu'il peut changer la constitution comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il pense qu'il n'y a pas de crise. Et c'est cela le danger d'un homme politique devant le peuple. Il pense que tout est bon. Malgré toutes les vérités qu'on lui fait en face, Tshisekedi a été évoilé. Moi, je ne sais pas. Comment parler que Kabila vivait dans un autre monde? Moi, je commence aussi à constater que non. Félix Tshisekedi vit dans son propre monde. Avant de vivre dans le monde, na yemoko. Malgré qu'il y a à peu près 4 ou 5 territoires occupés aujourd'hui par des forces autres que les forces de la République démocratique du Congo. Et c'est cela le danger de notre pays. Nous nous trouvons devant quelqu'un
qui se croit tout faire, qui se croit que non, il peut tout manipuler. C'est ainsi même qu'il commence à ridiculiser même la voix de Fayulu. Et maintenant, nous nous approchons à cette période-là, de 2013-2014, où on forçait la main à Kabila. Maintenant là, le peuple congolais est en train de forcer la main au président Félix Tshisekedi, et il est hautain. Félix Tshisekedi, c'est quoi maintenant que, malgré que les phares de ce sont en train de perdre sur le terrain, mais le président de la République commence à avoir des attitudes de quelqu'un qui n'a habité ce qui n'a monde ni n'a wazali pour l'instant. Le président de la République pense que tout va bien. Mais pendant qu'il dit que tout va bien, on écoute d'autres sons de cloche venant. Donc il y a une certaine bicéphalité. On ne comprend plus finalement ce que pense notre président et là où il est en train de mener notre pays. Et c'est dans ses interviews qu'il se trahit lui-même. Le président de la République est en train de se trahir lui-même dans ses propres interviews. Et tantôt ce sont les Rwandais, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Donc on ne comprend plus finalement Mutu Oyaza Komemambo Kanabiso Wapi. Alors, notre réflexion aujourd'hui comportait sur comment est-ce que nous pouvons remettre le pays sur le rail, de regagner la confiance du peuple congolais sans pouvoir aller aux élections ou faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et ceci, vous ne l'entendrez qu'ici, à Contact Pro Live Réflexion. Parce que ici, nous nous proposons. Nous ne nous sommes pas seulement là pour déclarer que ceci a été fait, au boîte Kouéaki, tout ça. Moi, je pense que le mal est dans la tête de notre pays. Et la tête de notre pays, c'est Félix Tshisekedi, qui est la tête pensante. Si Félix Tshisekedi n'est pas une tête pensante, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes tout autour de lui qui lui suggèrent ou bien qui insufflent en lui ce qu'il peut parler. Mais malheureusement, peut-être qu'ils le disent bien, mais lorsque ça arrive au messager, à celui qui doit délivrer ce qu'il doit parler, et c'est là que la communication ne passe pas. Je veux dire quoi ici? Je veux dire que la tête de notre président de la République ne fonctionne plus à merveille comme il se devrait. Nous ne voyons pas aucune mission à la personne du président de la République qui voudrait amener notre pays quelque part. À chaque fois lorsqu'il parle, c'est de la contradiction. C'est contredire ce qu'il a toujours parlé. À chaque fois donc, quand il ouvre la bouche, c'est autre chose qui sort, qui n'est pas ce que le peuple congolais voudrait attendre. Si c'est simplement les gens qui sont tout autour de nous, qui se réjouissent de l'état actuel de notre pays. Et c'est là le grand problème que nous traversons en République démocratique du Congo. Parce qu'effectivement, le président de la République ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. C'est ça l'impression que ça nous donne. Qu'est-ce qu'il devrait faire alors? Parce qu'on pose la question. Yendaza Mokonzi, nous le reconnaissons que Yendaza Mokonzi, il est le pouvoir nyoso ezana kati ya maboko ya Félix Tshisekedi. Personne ne peut discuter. Mais est-ce que voudrait-il aller jusqu'en 2028? Parce qu'à un certain moment, nous allons voir que si Nanga n'arrive pas à Kinshasa, Félix Tshisekedi ira jusqu'à 2028. Et il y a des gens qui sont en train de se préparer pour prendre la relève, de continuer à diriger ce pays dans ce même optique. Et ces personnes-là, vous les connaissez, ils sont en train de se positionner. Mais je me pose comme question, va-t-on arriver en 2028 avec, au lieu de 145 territoires, nous aurons 135 ou même 100 territoires? Parce que nous sommes en route. D'autres personnes me posent la question, Germain, pourquoi les M23, ça c'est une parenthèse, pourquoi les M23 n'avancent pas? Moi, je ne suis pas du M23. Je ne fais qu'analyser ce qui se passe, comment ils font. Moi, je ne sais pas.
Peut-être qu'ils ont leurs agendas que moi, je ne suis pas ici pour vous communiquer, vous communiquer l'agenda de M23. Je dis tout simplement, si le M23 n'arrive pas à Kinshasa, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, nous risquons d'aller avec cette situation jusqu'en 2028, où nous serons encore obligés de dépenser des millions pour que nous puissions avoir la CENI, nous puissions avoir les... Et l'argent viendra d'où? L'argent est en train d'être détourné maintenant. Les gens se préparent pour cet événement-là. Et je ferme la parenthèse. Et donc, ce que nous pensons, comme nous avons cette habitude-là de dialoguer, il est temps à ce que nous puissions prendre conscience. Pourquoi je vous ai ramené cette vidéo de Macron? Parce qu'effectivement, c'est là où se trouve la vérité. Nous continuons à penser que nous sommes ce que nous sommes parce que les autres ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de prendre nos responsabilités et d'être responsables de ce pays. Pourquoi tous ces beaux voyages, 300, 400 voyages? Aujourd'hui, quelqu'un me comptait à peu près déjà 64 voyages en moins d'une année de ce que du président de la République à la tête de notre pays. Donc la solution pour nous se trouve ailleurs. Et quelqu'un, nous avions discuté sur le procès de Onana. Moi, je me suis dit, ça c'est du bidon pour nous les Congolais. C'est du bidon, nous sommes en train de faire du buzz pour d'autres personnes. Aller commencer à aller suivre tous ces procès Onana contre les Rwandais, tout ça. Ça ne nous concerne pas, ça nous apporte quoi finalement? Et quelqu'un m'a dit, non, ça continue à faire valoir la conscience aux gens, aux autres, sur les conditions de notre pays. Ça ne les regarde pas.
faut nous prendre en charge. Le pays, c'est à nous, c'est à nous. Mboka ou eza mboka na biso bande konangaye. Quelqu'un d'autre fait des procès à Paris, oh non, parce qu'il faut confiance, communauté internationale. La communauté internationale ne viendra pas vous construire les routes chez vous. Et ça, nous devons être d'accord. Alors, moi, je me suis dit, Bandeko, Toko Salanini maintenant, Poto Kendeliboso, qu'est-ce que nous devons faire? Faudrait-il chasser Kabila? Tshisekedi, c'est ce que Nanga est en train de faire. Mais Tshisekedi, est-ce que vous pensez même, lorsque vous serez chassé, et que le Congo sera meilleur, est-ce que vous, Congolais, vous pensez que ce qui Nanga est, des changements, koya, ça dépendra encore une fois de plus de ces gens-là qui arrivent. Mais ce qui arrive et ceux qui sont là, Tozaka na eloko moko ya kosala. Et là où nous rencontrons, c'est ce pays et c'est ce peuple-là. Si nous arrivons à rassurer ce peuple ici, à le mettre dans un ordre où la justice fonctionne, les gens, le Congolais commence à se reconnaître, tokomi ko se retrouver. C'est ça l'objectif. Nous avons besoin que de vivre aisément dans notre propre pays. Et qui va nous apporter ça? Ce n'est pas l'extérieur qui a besoin de nous minerer. C'est nous-mêmes qui doivent travailler. Et ça, biso moko ne mutu foto sala bande konangai. Ce qui to sali musala te, eloko ane koya koko mate. Nous devons travailler pour que nous puissions mettre notre pays en ordre. Et cet ordre-là, nous pensons qu'il y a des choses que nous devons faire. Nous devons renouveler ce pays. Nous devons renouveler. Nous devons absolument passer à la 4e République. La passation de la 3e République à la 4e République, nous pensons que cette passation doit être civilisée, comme le changement, comme ce que Kabila a fait. Nous pensons que ça doit être civilisé et donc ça doit se préparer. Kabila, moi je peux vous dire, il l'a préparé dans 2 ans. C'est ce flottement-là entre 2015... non, c'est en 2016 que devraient avoir les élections. Nous l'avions eu en 2018. Mais malheureusement, il s'est mal pris. C'est ainsi que moi, je lance un appel au président actuel de prendre conscience à ce que nous avons des choses. Il faut faire arriver à mettre les Congolais sur une table où les Congolais vont se regarder en face et se parler. Ce n'est pas un groupe d'individus. Le dialogue que nous prenons ici, ce n'est pas un groupe d'individus ou bien de politiciens qui vont s'enfermer dans une salle pour nous venir avec une solution. Non. Ce temps-là est révolu. Il faudrait rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Et comment nous allons le faire? C'est justement appeler les états de lieu de chaque territoire où les Congolais, dans les territoires, prendra ses propres responsabilités dans la gestion du territoire. C'est ça que nous pensons qu'il pourra résoudre. Et c'est ça le dialogue que nous prenons ici à Contact Pro Live. Nous disons, il faudrait que les Congolais arrivent à se parler et sur toute l'étendue du territoire en même temps. On peut donner un mois à ce dialogue-là, à ce qui nous prend de quoi. Ce dialogue-là devrait aboutir à un consensus national de la gestion du pays. Ce consensus national de la gestion du pays, ça devra être que la base puisse être capable d'être en charge de leur territoire et qu'ils puissent imposer l'ordre dans leur territoire. Que ça va être toujours à Kinshasa. Moi, je parle ici de la préparation de ce que nous pouvons aller dialoguer. Ça, c'est ça qu'on appelle en anglais le content. Qu'est-ce qui devrait être là dans ce dialogue-là? Les Congolais de toutes parts devraient se mettre à parler de leurs problèmes dans leur territoire et trouver les solutions dans leur territoire. Ce dialogue-là aboutira à 2 choses. Un consensus national pour la gestion du pays. Et cela, ça fera par 2 étapes. La première étape, c'est d'abord le choix de ces animateurs-là dans les territoires. Dans les territoires, les gens, le peuple congolais devrait se choisir les membres de cette assemblée du territoire où on devrait avoir des gens qui sont des érudits,
du territoire, les politiciens du territoire, les notables du territoire, à peu près une affaire de 300 personnes, les choisir pour aller discuter quoi ? Pour aller discuter sur l'avenir du territoire, c'est-à-dire, un, l'identification de la population dans les territoires, et deux, la préparation d'une ébauche de la 4e République. D'une ébauche de la constitution de la 4e République, je veux dire. Et c'est là qu'ils devraient donner aussi leur disons leur point de vue. Comment est-ce qu'ils pensent que la République de demain, la 4e République, on n'aura pas de tricherie, nous allons le faire comment? Et identifier le peuple qui sont dans les territoires. Ainsi, nous irons petit à petit de la base jusqu'au sommet. C'est-à-dire que ces assemblées-là, après avoir façonné dans un premier temps, comme je vous ai dit, la préparation d'une ébauche d'une constitution de la 4e République qui devra être discutée aussi au niveau des provinces. Donc les territoires vont envoyer leurs délégués au niveau des provinces pour harmoniser les textes avec tout le monde. Et ainsi les provinces pourront envoyer des délégués au niveau national pour harmoniser et enfin avoir ce que nous pouvons avoir, une proposition d'une constitution qui devrait passer au référendum. Et à ce moment-là, on devra savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que l'identification et le recensement de la population se fera déjà au niveau des provinces. Voilà ce que nous pensons que ça peut résoudre cette cacophonie qui règne aujourd'hui et que les Congolais commencent à penser que non, c'est la constitution américaine qu'on devrait encore venir les proposer. Nous sommes en train de dévier à nous prendre en charge. Le Congolais aujourd'hui n'est pas capable de prendre, capable de gérer ce pays. C'est ce que les autres nous disent. Si vous aviez suivi cette petite vidéo de Macron, c'est ce qu'il a dit. Nous devons rectifier les tirs, mes chers amis. Et il est grand temps de le faire. Et le faire maintenant, nous aurons à bien préparer cette 4e République. On ne peut pas entrer de se précipiter pour rien. Nous ne sommes pas en train de se précipiter pour rien. Vous voyez la grogne par-ci, par-là, les élèves n'étudient pas, il y a des rébellions, il y a des massacres, il y a des naufrages. C'est-à-dire que le climat en RDC n'est pas bon. Et nous devons être conscients de ça. Et si nous ne sommes pas conscients comme ça, c'est-à-dire que nous voulons assez que quelqu'un d'autre puisse le faire à notre place. Et si quelqu'un d'autre le fait à notre place, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Parce qu'on va saucissonner notre pays, comme on dit. On va le diviser carrément. La conséquence de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la balkanisation de notre pays. Et cette histoire-là passe de plus en plus dans la bouche même des Congolais. Ah, bon, toti kanabiso likamango, mbokango toka bolango kaka. Et aussi mbatte, parce que personne n'a plus foi en ce que nous sommes. Et tout ça, pour ressusciter l'espoir dans le peuple congolais, rétrocédez-le le pouvoir, monsieur le président de la République. Donnez-leur la parole. Pesabatou possibilité à Koloba. Qu'est-ce que justice n'a mis sur Salanine? Moi, je ne veux pas aller dans le fait Bande Konangaï. Ici, nous réfléchissons d'une manière à savoir Moutou Nabiso Kokiko Pondre Nini. C'est pour cela que Ngana Eb Sakabatou. Soki Bolingi ko aide émission Oyo. O s'abonner d'abord. Soko yo monike makambo ngana za kolobeza na sens. O s'abonner d'abord. Ko s'abonner za esengi nango eloko mingite. O cliquez kaka place abonné ko sengo email adresse et puis au clocher au cliquez na cloche à notification pour que tango ngana ko tia ba vidéo ozala notifier. Idée oyo nena ngana za ko faire passer to rétrocéder pouvoir na peuple congolais, mais il faudrait que toye bananu peuple congolais wana modèle a koyebe la peuple congolais wana ezanini ezali batu bango moko bayeba nani yango waza congolais nani yango vandaka awa nani yango vandaka awa likambo a carte d'identité e kanga biso na kingo tokoka kalisusu te. Or c'est ça la clé de voûte.
Si nous pouvons passer à la digitalisation, nous devons nous connaître d'abord. Sinon, tokosa la kailoko mon côté. Biloko ezali kambo ko proclamer te que non sikoyo toyaki toyokana ki na ba politicien sikoyo nous sommes mis d'accord, voilà maintenant ce que nous allons faire. Non, c'est pas ça donner la parole au peuple congolais. Nous devons faire un effort na mandat au président de la République. Tout recensé na nous congolais, c'est comme cela le schéma que je donne ici. C'est cela qui va nous donner à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Pourquoi je vais dans cette optique-là? Parce que nous avons échoué à la décentralisation. Regardez ce qui se passe. Nous n'avons pas pu appliquer les textes que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de consensus national. Le Congolais n'était pas maître de son destin. Pour un asoké boukani ezaka président, kambo président de la République. Le peuple congolais n'était pas engagé. Pourquoi il ne se connaissait pas? Depuis 60, nous ne connaissons pas la liste nationale officielle de ce qu'on appelle le peuple congolais. Nous ne le connaissons pas. Et nous n'avons pas fait ça un problème. Voilà maintenant, quand nous chassons le naturel, ça nous revient au galop. Nous sommes en désordre parce que le soubassement là n'a jamais été construit. C'est ainsi que nous nous appelons. Et nous, nous continuons à marteler à ce que, en disant, la seule solution qui nous reste, c'est quelqu'un qui viendra avec cette idée-là, en disant, avant même que nous passions aux élections, connaissons-nous nous-mêmes. Avant que nous puissions prendre quoi que ce soit, to vanda kimia, to miye bananu biso moko, to za combien, to za la kawapi, to sa la kanini, nanya sa la kanini. Ça, on ne connaît pas. Comment est-ce que nous pouvons aller avoir des gens dans la fonction publique dont on ne connaît même pas comment cette fonction publique fonctionne? On continue à parler, on a engagé. Ils font quoi? Y a-t-il eu besoin? Mais il faudrait qu'il y ait des normes. Moussala ni n'yango batoua na ozo tia bango ba okende kosala. Parce que les gens, moi je pense que quand vous engagez les personnes au Congo, la première des choses qui se passe, c'est dans leur tête, je vais commencer maintenant à avoir l'argent de l'État. Et cet argent-là, c'est tout. Azala, Asala, Moussala, Teme, Mbongo, Ekota, Kanango. Et là, vous allez voir que mentalité à la Congolais, comme Kaka, Mbongo, 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 Moussala, Ezalakate. On vous a engagé pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans le département? Qu'est-ce que vous faites? On ne pose même pas la question. Mes chers amis, moi je crois que je vais m'arrêter un peu là. Pour aujourd'hui, bien sûr, parce que j'espère que aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous aurons certainement une émission live entre samedi soir et dimanche l'après-midi. Je crois que ce week-end, je suis un peu très très dégagé. Je crois que nous viendrons dans une émission encore live. Je suis en train de préparer pour que nous puissions analyser encore de près comment est-ce que nous allons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Et c'est par là où nous faisons un peu de commentaires sur l'actualité. Nous donnons nos points de vue, mais dans réflexion et réaction, ça c'est... Comme je vous dis, réflexion, c'est réfléchir comment est-ce que nous pouvons reconstituer notre tête afin que nous puissions voir où est le problème et comment résoudre le problème en République démocratique du Congo selon mon point de vue ici. Voilà. Merci beaucoup donc pour tous ceux qui continuent à s'abonner. Ça me fait énormément plaisir. Ceux qui sont en train de partager cette émission, ça me fait énormément plaisir. Et ceux qui surtout m'appellent lorsque vous sentez que mon absence devient de plus en plus prolongée et me rappelant en ordre que non, Mboka et Kotika Lamboka Nabiso. Alors, au revoir, on se revoit très prochainement. Pas très prochainement, mais prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.